Nous sommes tous conscients que la gestion de cas de protection de l'enfance en situation humanitaire peut être extrêmement complexe et stressante. Les gestionnaires de cas ne devraient pas être tenus de s'en charger seuls. Ils ont besoin de soutien constant pour offrir le meilleur niveau de service possible aux enfants et à leurs familles. Une formation continue, de même qu'une supervision et un encadrement systématique et structuré, offre aux gestionnaires de cas les outils nécessaires pour gérer la complexité et le stress inhérent à leur travail et pour tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant tout au long du processus de gestion de cas. La formation est un élément particulièrement important pour les gestionnaires de cas qui viennent de se joindre à une agence. Elle devrait donc être offerte adéquatement dès le départ. Par ailleurs, les superviseurs ont besoin d'une formation ciblée pour pouvoir offrir aux gestionnaires de cas la supervision, le soutien administratif et le perfectionnement professionnel dont ils ont besoin. En situation humanitaire, bien des agences interviennent pour aider les personnes dans le besoin. Ces agences doivent travailler de concert pour élaborer un plan commun de renforcement des capacités et répondre aux besoins de formation des équipes de gestion de cas de protection de l'enfance si elles veulent offrir les meilleurs services possibles. La formation en gestion de cas de protection de l'enfance destinée aux gestionnaires de cas, aux superviseurs et aux managers est une ressource cruciale pour le développement des compétences et le renforcement des capacités de ces équipes. Une ressource qui les aidera à offrir des services sécuritaires, propices et adaptés aux enfants en situation de crise humanitaire. Créée par le groupe spécialisé Gestion de cas, GSGC, cette formation comprend un guide d'animation et 7 modules, ainsi que des présentations PowerPoint et des documents d'accompagnement pour les jeux de rôle, les activités et les études de cas. Elle s'accompagne également d'exemples d'horaires et de trucs pour l'organisation et l'adaptation des séances. La formation compte 4 volets. Les fondements de la protection de l'enfance et de la gestion de cas, les étapes de la gestion de cas, le bien-être personnel, la conception, la mise en œuvre et la supervision des services de gestion de cas. La trousse de formation contient également des directives destinées aux gestionnaires en protection de l'enfance sur la façon et le moment de mettre en place des services de gestion de cas. Elles permettent aussi aux gestionnaires de cas d'acquérir plusieurs compétences fondamentales. Communiquer de façon sécuritaire et efficace avec les enfants, les familles et les membres de la communauté, analyser les vulnérabilités des enfants et mener des activités de plaidoyer auprès de différents acteurs, services juridiques, santé, éducation, etc. Les connaissances et les compétences acquises pendant la formation aideront les équipes de gestion de cas à gérer leurs dossiers de façon éthique et sécuritaire, conformément aux directives interagences relatives à la gestion de dossiers et à la protection de l'enfance. En plus de la formation sur la gestion de cas, le groupe spécialisé Gestion de cas a créé la formation Interagence à la supervision et à l'encadrement de la gestion de cas pour la protection de l'enfant. Cette formation à la supervision et à l'encadrement vise à renforcer les capacités des superviseurs à communiquer efficacement et à donner du feedback aux gestionnaires de cas. Elle les conseille également sur les façons d'aider les membres de l'équipe de gestion de cas à veiller à leur bien-être. En plus du guide d'animation et des 4 modules d'apprentissage, la formation à la supervision et à l'encadrement comprend un outil d'évaluation des capacités des gestionnaires de cas. Il s'agit d'un outil précieux pour évaluer les attitudes, les connaissances et les compétences des gestionnaires de cas et pour faire ressortir les domaines que les superviseurs devraient prioriser lors des séances de supervision individuelles ou en groupe. On y retrouve également d'autres outils importants pour la supervision, dont le rapport de supervision, le rapport de rencontre de gestion de cas, l'outil de formation par observation à la gestion de cas, l'outil d'observation de la gestion de cas, la liste de vérification des dossiers et l'outil de discussion sur les cas. Une autre ressource extrêmement utile pour le renforcement des capacités est la formation sur les procédures de détermination de l'intérêt supérieur développée par l'UNHCR et l'International Rescue Committee, IRC, qui s'attarde principalement aux compétences nécessaires pour appliquer de façon efficace et sécuritaire les procédures de détermination de l'intérêt supérieur, particulièrement dans le cas des enfants réfugiés. De plus, l'IRC et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, ont conçu un guide et une formation, la prise en charge des enfants ayant subi des violences sexuelles en situation de crise humanitaire, pour développer les capacités des prestataires de services qui travaillent avec les enfants victimes de violences sexuelles et leurs familles.
Avec de la formation continue et un soutien systématique et structuré, les équipes de gestion de cas seront en mesure d'offrir des services adaptés, bienveillants et éthiques aux enfants vulnérables partout dans le monde.